Pourquoi vous vous battez pour Cyril aujourd'hui? Ben parce que moi, je veux savoir la vérité. Voilà. C'est pour ça que je me bats. Hein. Et les années passent et c'est de plus en plus dur. Ah oui. On peut pas, je peux pas vivre comme... Et puis en plus, la maladie. Maintenant, c'est la maladie. Je me bats contre le cancer. On va jusqu'au bout. C'est... J'ai dit à mon avocat, on va pas laisser tomber. C'est pour ça, si on en est là aujourd'hui, ben, je ne veux pas dire c'est grâce à moi, mais c'est moi qui ai dit on va jusqu'au bout. Voilà. Mais je peux vous dire que j'ai de la souffrance quand même. Parce que là, je sais que ça approche, alors je fais que de cogiter. Mais je ne dis pas que je ne serai, pas tous les jours là-haut. Hein. Non. Parce que je sais tout. Je sais tout. Il va avoir les mêmes témoins. Ils ne peuvent pas changer. Déjà, la sœur de Francis Holm, elle vient pas, elle, c'est par vidéo, c'est comme ça qu'on dit. Elle vient comme ça, ça sera comme ça, il y aura son père. Bon, là, son père, je sais par cœur, hein, ce qu'il faisait avec lui, qu'il lui donnait du canigou à manger, qu'il l'enfermait dans la cave attachée avec du fil de fer. Je sais par cœur, hein. Est-ce que vous avez peur de revoir Francis Holm? Oh non, pourquoi? Non, il ne nous regarde pas. Hein. Non, quand sa sœur est venue au tribunal, elle a dit « Je suis venue pour Madame Bénin et mon frère. » Voilà. Voilà. Non, il ne nous regarde pas. Lui, il ne bouge pas d'un iota. Nous, on fait que de bouger sur le fauteuil, mais lui, il ne bouge pas, il ne nous regarde pas. Hein. Il a son père, l'a même pas regardé, vous voyez. Son père, là, sa sœur, ils ont pleuré tous les deux. Mais son père l'a même pas regardé. Et lui, il bouge pas, hein. Mais bouge pas, il est là comme ça tout le temps. Il bouge pas du tout, hein. Mais je m'attendais pas qu'il fasse appel. Parce qu'il y a une chose qu'il dit tout le temps. Ben oui. Il dit que c'est pas lui. Il dit Montigny, c'est pas moi.